Alors, Les Demoiselles Oubliées, c'était le titre ancien de la série que j'avais fait en 2014. Et elle s'appelait Les Demoiselles Oubliées parce qu'elle parlait du fantasme, du souvenir fantasmé. En fait. Avoir redémarré Les Demoiselles Oubliées, c'est une façon de replonger sur une série que j'ai fait il y a 5 ans. Donc, en fait, c'est jouer aussi avec le temps. Les premiers tableaux que j'ai fait des Demoiselles Oubliées, j'ai repris mon livre. Et en reprenant mes propres tableaux, tout d'un coup, je revivais ces sensations de ces moments-là. Bah, c'est comme revenir dans un endroit qu'on a beaucoup aimé et voir qu'il est transformé. Et en fait, non, il n'a pas bougé, c'est nous qui avons changé. On évoque ses propres souvenirs, mais si le but, c'est de faire une transcription littérale de ses propres souvenirs, c'est pas tellement intéressant. Le fait de les enjoliver, de les modifier, de les travestir, de les fantasmer, eh ben, ça va donner lieu à utiliser un morceau de sa mémoire ou un morceau de son cerveau qui fait appel à deux choses paradoxales, d'un côté le souvenir et de l'autre côté la projection. Et moi j'aime bien jouer sur des antagonismes comme ça dans la peinture parce que ça permet de développer une forme d'excitation. Dans Les Demoiselles Oubliées, il y a déjà des intérieurs avec du papier peint, il y a l'histoire de la peinture dans la peinture, c'est on peint le tableau dans le tableau, et avec un phénomène de recouvrement ou de voile par-dessus. Et ça c'est quelque chose de fascinant en peinture, ces moments-là où on est en train de cacher quelque chose ou de recouvrir quelque chose, et le phénomène de recouvrir révèle en fait. Maintenant, l'attitude que j'ai, c'est celle de ne pas être inquiet, c'est-à-dire face à ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je me fais beaucoup plus confiance qu'à mes débuts, c'est-à-dire que je me dis, il se passe des choses, il faut vivre ces choses-là au maximum. S'il y a des choses paradoxales qui semblent illogiques ou idiotes ou bêtes, c'est pas grave parce que de toute façon, avec le temps, le cœur profond et la vraie raison de la série apparaîtra d'elle-même. Donc en fait, il y a un phénomène d'exécution du tableau purement technique qui est très très rapide et vraiment nonchalant. C'est-à-dire que oui, bon, c'est bon, je ne vais pas faire le papier peint, le détail, je sais le faire, je ne vais pas faire ça. Non, ce que je veux, c'est avoir ce rendu, cette ambiance. C'est ça qui est plus délicat. Donc en fait, il y a une forme d'exécution qui est beaucoup plus libérée parce qu'on essaie d'aller à l'essentiel du tableau et à l'essentiel de ce qu'on avait repéré la fois d'avant. Comme d'habitude, je reprends toujours cette phrase, c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. Et maintenant, je fais confiance à cette phrase parce que je sais qu'elle aide beaucoup l'artiste à se révéler. Et là, tout d'un coup, l'atelier, il est plein comme un œuf. Il y a des châssis partout, il y a des tableaux démarrés dans tous les sens, sans savoir pourquoi je les ai démarrés, mais sur des intuitions, ils sont repris. Et c'est là où il y a cette espèce de grand shaker que je décrivais tout à l'heure, ou d'espèce de carrefour très bruyant, très embouteillé de l'atelier, mais qui est jubilatoire.